sûr qu'il sera d'accord? Mais si je te le dis... De quoi? De quoi vous parlez? C'est pas tes oignons! Ben si, c'est mes oignons. Je voulais vous faire des oignons frits. Hein? Je plaisante! Oui, cette expression, est-ce que tu l'as déjà entendue? C'est pas tes oignons, ou on pourra dire aussi ce n'est pas tes oignons. C'est une expression un peu familière. Hein, c'est une expression familière, j'ai envie de vous dire. Je me présente, je m'appelle Nassim, je suis professeur de français langue étrangère et je vous aide à développer votre niveau de français. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire. Cette expression, ce n'est pas tes oignons ou c'est pas tes oignons, cela signifie tout simplement cela ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas, ce n'est pas tes affaires. Quand tu as quelqu'un qui est un peu curieux, peut-être que toi tu es un peu curieux et tu veux en savoir un peu plus, deux personnes discutent et tu viens, tu demandes de quoi, comment, on te dit ce n'est pas tes oignons. Eh bien, c'est une expression qui n'est pas super gentille, hein, je dois le dire, mais voilà, ça signifie que ça ne te concerne pas et tu ne dois pas nécessairement le savoir. Ce sont des affaires privées ou des affaires personnelles. Je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, hein, et je vous donne un petit indice. On va parler d'une expression, encore une fois, française idiomatique. Et je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Salut, à la prochaine!